Demain et après-demain, on prend vraiment beaucoup de matos. On a pris quelques trucs particuliers qu'on prend pas normalement quand on fait du vélo. Alors piolet, check. Crampon, check. Arva, pelle, sonde, check. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, ça sert à récupérer les gens sous les avalanches. Gros chaussures d'alpinisme, check. Gros pneus de 8 montés sur une roue 27+ de 40 mm, check. Bon, et puis le vélo. Le vélo qui est préparé pour ce ride dans la neige. Bon, en tout cas, il commence à devenir franchement léger avec les quelques habits que je lui ai apportés là. On part 2 jours en bivouac dans la neige. Donc en fait, il faut tout le matériel de bivouac, tout le matériel pour lutter contre le froid. Et aussi, vu qu'on va grimper des endroits qui sont potentiellement raides avec de la neige dure, voire de la glace, donc tout le matériel d'alpinisme. Enfin, tout le matériel. Une petite partie du matériel d'alpinisme. Bon Fanny, je suis désolé madame, mais tu vas être vraiment chargé. Hein. Là, je pourrais pas te prendre beaucoup de poids. Hein. Va falloir se le répartir. Parce que tu m'en prends des fois. Qu'est-ce que tu fais Alexis? Je règle les crampons. Eh, pas besoin de picot de pédale avec ça. Tout est rentré dans le sac à dos? Ouais, tout est rentré. Il manque plus qu'à mettre le vélo au-dessus. Ouais, il est bien là. Bon, exagère. Aujourd'hui, on a beaucoup d'inconnus. Beaucoup plus que d'habitude. On s'est mis un peu en galère en fait là. La première chose, c'est qu'on n'est pas sûr que la piste 4x4 qu'on va prendre soit ouverte jusqu'en haut. Elle va être bloquée par la neige à un moment donné, et tout ce que j'espère, c'est qu'elle soit pas bloquée beaucoup plus bas par des coulées d'avalanche. Sinon, ça va nous faire beaucoup beaucoup à monter à pied, sachant qu'on a les énormes sacs qui doivent faire au moins 25 kg, je crois, plus les vélos, plus marcher dans la neige. Et ça, c'est juste pour accéder à la zone de bivouac. Ensuite, deuxième inconnu, c'est pour demain. On n'est pas du tout sûr que la neige soit propice aux vélos, voire propice à monter avec les vélos. Donc là, en résumé, aujourd'hui, c'est vraiment la mission. Choisi le même moyen que nous. Tu sais Fanny qu'on va monter plus haut que le pic qu'on voit là-bas tout là-haut. Quand on se dit ça en bas à la bagnole. S'arrêter là, maître, les Arva. Comment ski? Mais voilà, s'il y a des avalanches qui tombent de là-haut, j'ai plus qu'à creuser. Mmh.
On va passer par là, au col. Donc on va monter tout droit dans la face. Par contre, vous voyez, là, c'est tout lisse, tout beau. Et il y a du vent qui vient de l'autre côté, qui transporte de la neige. Ça sent un peu la plaque avant, donc le risque d'avalanche. C'est infini de faire la trace. Je me repose un peu. On va mettre la tente là. Voilà, on n'a plus qu'à creuser, à déblayer 10 mètres cubes. Attention, je suis derrière. Ah, t'as bossé au pont et chaussée, toi. La technique du montagnard, quand vous devez mettre des ancrages dans la neige pour les tentes, et que du coup les piquets de tente ça marche pas, vous prenez des sacs en plastique, vous les remplissez de neige, vous attachez la corde à la tente, là, comme ça, on tend au max, on pisse dessus, hop, on remet de la neige. Et ça fait un bon ancrage pour la tente, regardez. Hop, petit vélo, il va dormir dehors, pauvre bête. Ouais. On est bien là, Fanny. Ouais, il fait bon. Il dirait que t'es en train de cuisiner. Je cuisine. Mmh. Neige de montagne. Iceberg, droit devant. Mmh. Ouais, bonne la soupe. Ça fait du bien, putain. Elle a jamais été aussi bonne. Un petit café le matin, sauf que pour prendre l'eau, c'est compliqué là. En préparation. On met l'arva tout de suite, hein, tant qu'on est dans la tente, hein, pour pas se cailler dehors. Déjà... On change de fringue, et puis on est parti. Il a dû faire au moins moins 15 cette nuit là. Dès qu'on va ouvrir cette porte, on va mourir de froid. J'espère que les vélos n'ont pas les durées de congelé. Enfin si, je suis sûr qu'ils ont les durées de congelé, mais... Il y a la chair de poule. Et on va laisser la tente là. Hop, 99, il est bon. On y va. Bon, on va mettre les crampons là. Là, c'est trop glacé. Et on vient de là-bas. Ah, je voulais boire, mais bon, elle est gelée. Vous voyez là en montagne, quand ça brille comme ça, c'est pas bon signe.
aller au col, on a droit à un petit déjeuner. Alors, t'as le choix entre cranberry et caramel. Dis caramel. Ah putain, on est d'accord. Donc ça s'appelle une corniche, faut pas aller trop au bord. Le faire hein. La descente elle est juste parfaite. On skye toujours, il doit faire largement en dessous, non il doit faire au-dessus de zéro puisque les tubes à eau ont dégelé, mais avec le vent en fait c'est parfait les crampons là dedans. C'est la fin de la fin. Là-haut, c'est le sommet. Putain, on y arrive. Oh, bien joué, Fanny. La pression des pneus parce que vu qu'il y a quand même pas mal de caillasses sur certaines sections et qui sont de la caillasse bien coupante, si je les laisse sous-gonfler pour la neige, je vais les exploser. Et j'avoue que j'ai pas envie de changer un pneu ici. Allez, c'est parti. C'est bon, vas-y.
Pédale. Ça c'est moins drôle. Ah, ça passe pas. C'est compliqué de manger avec le casque. Hein. Ah putain. Je crois que c'est roulable. On rentre à la maison. On a fait des traces comme du ski. Moi j'ai fait du touchous. Vas-y, pas comme un bœuf parce que on a un poids énorme pour les vélos quoi. Les suspates et les pneus ils sont pas réglés pour 110 kg quoi. C'est trop beau hein. Jusqu'au bout.